Et salut les amis, j'espère que vous allez bien. Et aujourd'hui, on fait un tu préfères. Allez, place à l'intro. Donc les amis, j'espère que vous allez bien. Moi personnellement, ça va super. Et aujourd'hui, comme je vous ai dit, on va faire un tu préfères. Alors le logo, c'est moi qui l'ai fait grâce à Illustrator. Et j'ai commencé aussi à faire deux trois petits achats puisque vous allez voir que je vais beaucoup tourner la tête par là et par là. C'est parce que j'ai mon PC là. Et un nouvel écran qui est là. Alors vous allez les découvrir, ne vous inquiétez pas dans de prochaines vidéos, puisque je vais peut-être faire un sujet exprès pour, enfin une vidéo spécialement pour, quand j'aurai le tout nouveau décor. Parce que, comme vous pouvez voir déjà, il y a des lumières qui sont arrivées là-bas. Voilà, c'est le nouveau lustre, on a changé le lustre de la chambre, du coup on a un meilleur éclairage. Et pas que en fait, parce qu'il y a d'autres éclairages qui arrivent. Et un mur aussi, parce que le problème c'est que mon petit frère adore les dessins, du coup on a un mur rempli de dessins. On passe cette zone-là parce qu'au bout d'un moment ça va faire quand même beaucoup. Et aujourd'hui du coup on va faire un tu préfères. Donc du coup déjà je vous affiche tout de suite l'écran, puisque maintenant je peux afficher l'écran. Ça reste super bien. Donc du coup voilà ce que je vois depuis tout à l'heure. Et du coup voilà. Donc aujourd'hui on va commencer par... Moi, le premier que je vois là qui a l'air de m'intéresser, c'est tu préfères Twilight ou Harry Potter? Allez, le PC. Non, tu vas pas faire celui-là? Si, voilà, tu vas bien. Oui, faut pas chercher, mon PC est très très lent. Voilà, donc on va commencer du coup. Harry Potter à 76% et 24% à Twilight. Alors pourquoi j'ai choisi Harry Potter à Twilight? C'est parce que je connais Harry Potter et Twilight, ça me dit pas grand-chose. De nom. Au passage, j'ai ça pour me déstresser, on s'en fout. Voilà. On continue, on continue. Du coup, participer aux Hunger Games ou être jeté dans le labyrinthe. Alors, une chance de mourir par des bêtes extrêmement bizarres ou être tué par plein de personnes. Très franchement, le labyrinthe. Je préfère cette saga. Cherchez pas, je préfère le labyrinthe à Hunger Games. Le premier j'aime bien, le deuxième j'aime bien, mais la suite, non. Allez, on continue. Avoir une personne qui t'aime jusqu'à la fin de ta vie, aimer quelqu'un jusqu'à la fin de ta vie. Être aimé, ça reste mieux. Un corps de rêve, mais un visage affreux. Un visage sublime et un corps difforme. Je suis un mix des deux. Très franchement, je préfère avoir un corps sublime. Alors, déplacer des objets par la pensée ou arrêter le temps? Déplacer des objets, ça reste plus stylé. Arrêter le temps, je vois pas ce que je peux faire, hein. Un chips ou une chips? Une chips. Vous m'aurez pas. Voir tout nu toutes les personnes que tu regardes, lire dans les pensées de tous ceux qui te regardent. Voir dans toutes les personnes. Lire dans les pensées, ça reste quand même un peu mieux que voir des personnes tout le temps toutes nues. D'un moment, ça doit dégoûter. Enfin, au bout d'un moment, tu dois t'y habituer, mais lire dans les pensées, ça reste plus marrant. Alors, être une star qui est moche, être normal et beau. Être normal et beau. J'aurais peut-être une chance de sortir avec une star, qui sait? Apple ou Windows? Windows. Ah, pardon, je vais expliquer pourquoi, je reviendrai juste après. Pourquoi je préfère Windows à Apple? Pour une simple et bonne raison, c'est qu'Apple c'est cher, fermé sur lui-même, et que Windows c'est largement plus ouvert. Voilà. Oui, aussi plus ouvert aux attaques, c'est pas faux. Mais bon, PSG ou OM? Franchement, PSG, parce que je suis français et je suis né à Paris. Et
Très franchement, je m'en fous du foot. Voilà. Être pauvre en amour, mais riche en argent. Être pauvre en argent, mais riche en amour. Être riche en amour. Être aimé, c'est ce qu'il y a de plus. Être aimé, c'est ce qu'il y a de mieux, en fait. Tout bêtement. Donc, prendre. Perdre un jeu, manger du piment et se faire taper. Gagner et taper la personne. Alors j'ai le choix entre perdre un jeu et souffrir ou gagner et faire souffrir. Je préfère faire souffrir, j'aime pas avoir mal. Avoir les bras en chewing-gum mâché ou avoir des bras en béton armé. Bah, en fait, je peux pas répondre à cette question parce que mes bras, ce sont déjà du chewing-gum. Chaque personne que tu regardes, elle meurt instantanément. Chaque personne que tu regardes te fout un monstrueux coup dans les noisettes. C'est dur cette question-là. En gros, je peux regarder personne. Bon, bah, je préfère regarder personne. PlayStation ou Xbox? Ceux qui sont abonnés à ma chaîne le savent. Je préfère PC. Burger King ou Quick et McDo? Burger King. Les hamburgers sont meilleurs. Nike ou Adidas? Kalenji? Bah, Nike. Faire des choses avec ta meuf ou jouer à Call of Duty? Ça reste plus marrant. Fêter Noël avec tes potes, fêter avec ta famille. Avec ta famille. Avec ta famille. Avec ta famille. Bah, j'ai fait que avec ma famille, donc j'aimerais bien dire avec mes potes. Voilà. Moins une fois dans ma vie. Coca-Cola ou Pepsi? Alors, pour ceux qui ne connaissent pas la différence entre les deux, Pepsi est plus acide que Coca-Cola. Et puis, ça s'arrête là, en fait. Par contre, faut savoir que Pepsi reste plus sucré que Coca-Cola. Mais en goût, c'est plus acide, parce que l'acidité coupe le sucre. Enfin, le goût du sucre. Voilà. Donc, très franchement, pour la santé, Coca-Cola. Voilà. Cdiscount ou Amazon? Cdiscount ou Amazon? Sans réfléchir, Amazon, puisque j'achète que et uniquement sur Amazon. Sauf de temps en temps où j'achète sur Thomann pour acheter 2-3 trucs ou sur Banggood pour tout ce qui est informatique. Enfin, pour des petits trucs informatiques. Que trois pingouins te suivent toute ta vie, ou dès que tu fais un pas, tu fais un bruit de klaxon. Alors, soit je deviens un clown, soit je deviens un pingouin maman. Pingouin maman, je pense que c'est quand même plus agréable pour les autres. Une maman pingouin, si, pour ceux qui n'ont pas compris. Avoir 1000 dollars. 1000 milliards de dollars, un vœu quelconque, mais t'as que 5 secondes pour réfléchir. Réaliser mon rêve. J'ai pas besoin de réfléchir. J'ai déjà mon souhait. McDo ou Quick? McDo. J'ai pas envie de réfléchir à ce genre de questions, c'est ridicule. Être riche et ne pas avoir d'amis, être pauvre et être entouré d'amis. Très bonne question. Être entouré d'amis, je crois que c'est mieux quand même. De toute façon, je suis pas très riche. Beaucoup de personnes vont dire, ouais, mais t'as du matos de riche. Non, j'achète toujours au moins cher. Voilà. Orangina ou Oasis? Ah, bonne question. Je dirais Oasis. Savoir quand tu vas mourir, savoir quand tu vas. Savoir quand tu vas mourir ou savoir quand tu vas mourir?
Ah non, savoir comment ou savoir quand. D'accord. C'est la seule différence. Excusez-moi, j'ai pas lu très bien là. Enfin, j'ai pas très bien lu. Moi, bien parler français. Hein. Non, moi, français, bien parler. C'est mieux comme ça. Voilà. Alors. Savoir quand. Comme ça, je sais quand est-ce que je peux arrêter de vivre. Voilà. Partir un week-end, mais tu sais que tu as fermé la porte de ta maison. Ah non, tu ne sais pas si tu as fermé la porte de ta maison. Se rendre au travail, mais les portes sont fermées et férié. Et c'est férié. Se rendre au travail alors que c'est férié. Ce reste marrant. Travailler chez Orange ou chez Free? Orange. Parce que Free, c'est qualité-prix. Hein, c'est gratuit. Et bah, vous n'avez pas grand-chose à l'arrivée. Hein. Non, bon, sérieusement. Entre Free et Orange, la réponse est très très rapide. Orange a un débit supérieur à Free, mais Free est beaucoup plus stable que Orange. Voilà. Pour ceux qui comprennent, comprendront. Alors, tirer la barbe du Père Noël, tirer la mère. No... Tirer la barbe du Père Noël, ça reste plus marrant. Bon, il me fera plus de cadeaux à partir de là, mais il m'en fait déjà pas beaucoup. Avoir les dents qui font de la musique quand tu manges. Entendre ding chaque fois que tu clignes des yeux. Ding, 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 ding. Avoir des dents qui font de la musique quand tu manges. Oh, ça peut être marrant. Comment puis-je oublier ce coin de paradis? Allez, maintenant vous l'avez dans la tête. Faire un saut à l'élastique depuis un hélicoptère, être enfermé dans une cellule à pain sec et à eau pendant un an. D'accord, donc être enfermé dans une cellule mais avoir du pain et de l'eau ou sauter en élastique d'un hélicoptère. Alors, avoir la sensation de chute ou être enfermé. Avoir une sensation de chute, ça dure moins longtemps. Ne pas avoir l'électricité ou ne pas avoir l'eau. Suffit d'en acheter. L'électricité, acheter des batteries, c'est au final ça coûte cher. Avoir un téléphone portable de 12 kilos, avoir un téléphone portable tellement petit qu'il te faut une aiguille pour composer un numéro. Enfin, les numéros. Bah, on va se mettre à la muscu, hein. Alors, j'ai le choix pour finir cette vidéo, parce que là, ça fait quand même 20 minutes que je tourne. Dire oui à toutes les questions qu'on te pose. Ou alors que toutes les personnes que tu croises disent oui à toutes tes questions. Très franchement, je pense que ça reste mieux. Donc voilà les amis, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de mettre un petit pouce bleu. Non, bon, bah alors de vous abonner, c'est ce que dit la vidéo là-bas derrière, pardon. Et si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. En tout cas, moi, je vous laisse là. N'oubliez pas, le bide, c'est bien. Et à la prochaine. Allez, bye bye tout le monde.